Je suis en construction d'une crèche. Ah oui, une crèche R plus 1. Voilà. Il y a plus d'une semaine comme ça que je suis en train de réaliser ça. Pour le commencement, il te faut une moule pour fabriquer les briques, les parpaings. Voilà. Les parpaings, tu viens, tu creuses la terre, tu mélanges l'eau en même temps, tu commences à faire les briques. Après les briques, tu viens faire déposer ton pilier de la crèche. Donc, si tu fais ça, tu commences seulement à poser ton plan sur le pilier, tu commences à faire ta crèche. Voilà. Après ça, si tu finis ta crèche, il reste seulement les crépissages et les peintures. C'est juste en 2016 que j'ai commencé à faire ma crèche. J'ai commencé à construire les crèches, puis il y avait mon grand frère qui le faisait pour moi. Donc après ça, comme lui il a décidé de laisser, de ne plus faire pour moi, comme moi j'ai devenu assez grand, que d'essayer pour moi-même. Comme je fais le génie civil aussi, j'ai essayé d'analyser les plans sur des copies, des papiers, voilà, puis venir fabriquer ça comme ça. Voilà, donc j'ai essayé une fois, ça a été joli, beaucoup de gens ont apprécié, donc ça m'a donné le courage. Donc chaque année, je répète moi-même. L'envie de faire le génie civil, ça a été à travers des constructions de crèches. Puis les crèches, là, j'ai commencé à faire ça, je n'avais pas de plan, il y avait beaucoup. Je partais regarder chez des amis, puis venir construire. J'attendais que d'autres personnes commencent à faire pour eux avant que moi je commence. Et maintenant, comme j'ai essayé de voir de quelle manière moi aussi je devais devenir un professionnel du moins, voilà, dans les constructions. Donc, comme j'ai commencé, j'ai remarqué que non, que si je fais génie civil, ça va beaucoup m'arranger sur ça. Donc, j'ai demandé, comme j'ai eu mon CP, j'ai demandé de me mettre en technique. Donc, je suis parti là-bas. On a commencé à faire les plans, les constructions aussi, sur les pratiques. Donc ça m'a donné beaucoup le courage et puis l'intelligence beaucoup sur ça. L'année passée, j'ai fait plus de 13 crèches. Mais cette année, c'est juste les 3 crèches là d'abord que je viens d'avoir. Et puis à l'église, j'ai eu une crèche là-bas. Donc, mais comme là-bas, là, c'est pas à payer, donc ce n'est pas dans les calculs. Bon, c'est une bonne affaire, une bonne chose. Il aide les enfants à se recréer, voilà. À avoir des crèches pendant Noël, c'est vraiment une bonne chose. Hein. D'accord. Oui, oui. S'il en a construit pour les voisins aussi. Quand les voisins ont vu que non, il a fait ça, c'était joli. À l'époque, c'était plus joli que ça. Mais avec la pluie, bon, ça s'est détérioré. Mais on compte l'appeler pour qu'il vienne mettre la peinture encore. Quoi. Quand les voisins ont vu ça, chacun a construit devant, chacun l'a appelé de venir construire devant sa porte. C'est ainsi qu'il a fait tout en face, à côté aussi, c'est lui qui a fait.